Pour cet épisode de Postcard, nous partons à Kyoto, la capitale de la mode au Japon. Un textile très spécial est utilisé ici, le Nishogenori. Ce tissu est unique à Kyoto et sa technique remonte au 5e et 6e siècle. C'est aussi le matériau de choix pour les kimonos utilisés dans cette ancienne danse connue sous le nom de No. Aujourd'hui, cette tradition est toujours en vie dans des ateliers comme celui-ci où les travailleurs utilisent les métiers à tisser traditionnels. Le tissu, coloré avec des motifs complexes, est utilisé pour faire non seulement des kimonos, mais aussi d'autres vêtements comme les cravates ou les écharpes, connus sous le nom de obi. Le Nishogenori est fait avec du fil de soie, après une teinture. Comme vous pouvez le voir, on dirait que les motifs ont été brodés, mais en fait, ils ont été tissés. On dit que la qualité du tissu est telle qu'il pourrait être porté toute une vie entière sans s'abîmer.